deux ans, l'année dernière, et cette année, trois fois, c'est une habitude. Donc c'est une belle habitude, une bonne habitude. Et je voudrais remercier le service des espaces verts de la ville de Dijon, M. Wilbert qui est là. Je voudrais remercier aussi Gérard Ferrière, mais je le cherche, il s'est caché derrière. Je voudrais remercier Patrice Château, et puis je vais joindre Stéphanie Mode avec Patrice, puis tous les élus qui sont présents, les élus qui viennent de toutes les communes maintenant, on le voit, que ce soit de Plombières, Plombières c'est juste à côté, de Corcel, c'est juste à côté. Par contre, Magny, c'est un peu plus loin, alors bravo, voilà, maire de Magny avec nous, Nicolas, et puis, puis vous, mesdames, messieurs, qui êtes venus avec les enfants pour planter. Alors, il y a ceux qui viennent régulièrement, tous les deux ans. Il y en a qui sont venus revoir ce qui se passait. Ils ont dit que c'était la dernière fois, hein, mais ils viennent revoir, mais ils n'en reprendront peut-être pas. Hein. Et donc, merci aussi aux maisons familiales rurales, à la maison familiale rurale qui est là, et qui, avec ces jeunes qui font une semaine en alternance, et puis une semaine qui sont vraiment sur le terrain. Et puis ben, voilà, c'était une belle idée, hein, c'est une belle idée la forêt des enfants. Très belle idée. Merci voilà. François. Oui, voilà. C'est pour me remercier que je dis ça, oui, parce que c'est une idée que j'ai eue et j'en suis fier. Voilà, il y a des idées oui. De moins fier, mais celle-là j'en suis fier. Parce que j'avais vu ça en Suisse, dans une ville suisse, et à Lausanne, très exactement. Et revenant, je me suis dit, mais il faut toujours prendre le meilleur de ce qu'on voit ailleurs. Hein. On invente peu finalement. On copie ce qui se fait de bien ailleurs. Et quand on fait comme ça, mais on réussit. Et puis on fait du plaisir pour les gens, on donne du plaisir aux gens, aux enfants qui sont là et qui assurent l'avenir pour nous. On s'en occupe encore un peu, hein, ils sont petits, mais bon, ça va aller. Alors merci à toutes et à tous, et puis belle journée à planter des arbres. Voilà, on reviendra voir. Merci.